Et coucou les petits scientifiques! Aujourd'hui, c'est l'activité A à la page 5 du magazine. Dans cette activité, on va essayer de voir et de comprendre d'où provient l'énergie produite lors d'une réaction de combustion. Pour cela, on va s'intéresser au niveau microscopique d'une combustion. Je vous laisse lire le contexte, regarder les docs et répondre aux questions 1 et 2. Dans le contexte, on repère les trois filières de production et de développement durable, la filière méthanisation, la filière biohuile qui permet de produire les biogazoles et la filière bioéthanol qui permet de produire de l'éthanol à partir de la canne à sucre notamment. L'équation de combustion du méthane fait apparaître du CO2 et de l'eau comme toutes les réactions de combustion que l'on étudie. Une fois équilibrée, la réaction nous donne CH4 plus 2O2, flèche CO2 plus 2H2O. Question 3, on nous demande de calculer l'énergie molaire de la réaction de combustion du méthane. Pour comprendre ce qui se passe à l'état microscopique, nous allons utiliser une modélisation. D'après les documents de l'activité, on comprend que cette énergie molaire est en fait reliée à une première partie de dissociation, c'est-à-dire qu'on va casser toutes les liaisons des molécules réactives, et d'une partie formation, on va recréer les liaisons. Pour les nouvelles molécules qui sont produites. Dans notre cas à nous, qu'est-ce qu'on a eh bien, On a une molécule de méthane qui contient 4 fois la liaison CH et deux molécules de dioxygène qui contiennent chacune une liaison OO. On peut facilement calculer l'énergie de dissociation en faisant 4 fois l'énergie de la liaison CH plus 2 fois l'énergie de la double liaison OO. Et ça nous donne 2632 kJ par mol cette énergie de dissociation on la repère sur le graphe elle est positive pourquoi parce qu'il faut amener de l'énergie pour casser ces liaisons l'énergie de formation maintenant puisque une fois que tous ces atomes se retrouvent isolés ils vont se combiner pour former de nouvelles molécules la réaction produit une molécule de co2 et deux molécules h2o on aura donc formation de deux doubles liaisons co et de quatre liaisons simples oh. L'énergie de formation, elle, est négative, puisqu'en se combinant, les atomes vont gagner en stabilité. Et l'énergie molaire dans tout ça Eh bien, l'énergie molaire, ça va être la somme de l'énergie de dissociation et de l'énergie de formation. L'énergie molaire pour cette réaction est donc de moins 702 kJ par mol. On remarque que c'est une valeur négative. Combustion libère de l'énergie. Question 4, on vous demande de calculer l'énergie produite par la combustion de 1 kg de méthane. L'énergie molaire de réaction ΔER étant en kJ par mole, l'énergie totale L étant en kJ, on a la relation delta E égale N fois ΔR avec N la quantité de matière en mol. Dans l'énoncé, on nous parle de la combustion de 1 kg de méthane. On va donc nous chercher quelle est la quantité de matière contenue dans ces 1 kg de méthane. La quantité de matière, c'est la masse en grammes divisée par la masse molaire en grammes par mol. Dans notre cas, nous, ça nous fait 1000 divisé par 16. 16 étant la masse molaire de la molécule de méthane. Pour rappel, pour obtenir la masse molaire de la molécule de méthane, il suffit d'ajouter la masse molaire de chacun des atomes qui la constituent. Revenons à notre calcul de l'énergie produite lors de cette combustion. On a dit que c'était N fois delta ER. Ça nous donne comme résultat 6,89 fois 10 puissance 4 kJ si on utilise le bon nombre de chiffres significatifs. Merci Pazin. Il ne nous reste plus qu'à comparer cette valeur avec une valeur que nous avons trouvée dans le TP23 qui concerne le pouvoir calorifique de la cire. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie produite par la combustion de 1 kg de l'espèce considérée, c'est-à-dire que pour la cire, on avait 27 000 kJ produits pour la combustion de 1 kg de cire. Dans le cas du méthane, nous avons trouvé, nous, pour 1 kg, 6,89 fois 10 puissance 4 kJ produits lors de la combustion. On peut donc conclure que la combustion du méthane produit plus d'énergie que la combustion de la cire. Question 5, on nous demande de refaire exactement la même chose, cette fois-ci avec la combustion de l'éthanol. Concernant la dissociation pour la molécule d'éthanol, on va retrouver euh, 5 fois la liaison CH, une fois la liaison CC, une fois la liaison CO et une fois la liaison OH. Concernant euh, la molécule de dioxygène, on retrouve 3 fois la double liaison OO et on obtient 4700 kJ par mol. Pour l'énergie de formation, maintenant, cette réaction produit deux molécules de CO2 et trois molécules d'eau. Pour l'énergie de formation, on a donc moins 5750 kJ par mol. On peut calculer l'énergie molaire de réaction comme tout à l'heure en faisant ED plus EF et on obtient moins 774 kJ par mol. On cherche ensuite à calculer l'énergie de réaction ΔE. On a besoin pour cela de connaître le nombre de mol d'éthanol mis en jeu dans cette combustion. On part du principe, comme tout à l'heure, que nous avons 1 kg d'éthanol lors de cette combustion. Cela nous donne 21,7 mol d'éthanol brûlé. Pour ΔE, l'énergie libérée lors de cette combustion, on obtient moins 2,28 fois 10 puissance 5 kJ. Maintenant que vous avez bien compris comment on relie l'énergie molaire de réaction et l'énergie d'une réaction de combustion, vous allez pouvoir passer aux exercices 5 à 12. Je me permets juste de préciser que euh, ça se paiera très cher pour l'exercice numéro 7. Pour la prochaine séance, le travail à faire, c'est une partie de rédaction du cours, le 1 3 b et le 1.4. Il faut aussi finir les exercices 1 à 12 si vous n'avez pas eu le temps de faire euh, dans cette séance. Et on vous demande de répondre aux questions du QCM, c'est l'exercice 13 du livret, qui concerne les révisions d'électricité du collège et de la classe de seconde que vous n'avez pas faites puisque vous étiez encore dans l'ancien programme.